Dépêche, papa! Je suis en retard pour l'école! Oh, mon ventre gargouille encore! Et j'ai pas d'argent! Oh, je reviens tout de suite! Voyons voir! Burke! Ça fera l'affaire! Un vieil abricot? C'est mieux que rien! Tiens, April! J'ai préparé ton repas! Bye bye! Dépêche-toi d'aller en cours, ma chérie! Yam, c'est trop bon! Papa fait tellement d'efforts pour s'assurer que j'ai tout ce qu'il me faut. J'adore nos photos ensemble. Oh, un message! Waouh, j'adore les surprises! J'arrive! Je me demande ce qui m'attend. Peut-être une nouvelle peluche? Ou peut-être une tonne de dessert? J'ai trop hâte! Waouh! Il pleut des billets ici ou quoi? Waouh! Trop cool! J'ai de la chance aujourd'hui! Je crois que je vais en prendre quelques-uns avec moi. Ça dérangera personne, hein? Cool! Wow. Je dois montrer ça à papa. Papa, regarde ce que j'ai trouvé! C'est pas génial? Chérie, Laurie et moi, on est mariés maintenant. Tu vas avoir une nouvelle maman. Je suis trop contente! Pas si près, chérie. Chérie? Mais c'est rien. On va faire un peu le ménage ici. Ces trucs ringards doivent disparaître. Je suis désolée, ma fille. Je peux rien y faire. Tiens, trouve-toi quelque chose de décent. Monsieur Nounours! Il est déchiré! Bébé, qu'est-ce qui va pas? Oh, ma chérie, on va le recoudre! Tu vas vraiment le sauver? Donne-moi quelques minutes. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je t'aide un peu? Oh non, pas elle! Mais c'est quoi ce truc? Oh, c'est vraiment pathétique! Hé, mais c'est mon... Monsieur Nounours! Arrête d'être hystérique, là, comme ça! J'ai quelque chose de mieux pour toi. Une dernière fois, allez! Tiens, c'est ton nouvel ami en peluche maintenant. Il est géant et tout doux. Eh, mais on remercie pas, hein? Yes! Je veux pas de cet ours gigantesque! Monsieur Nounours, tu vas bien? Je te ferai plus jamais de mal. April et Monsieur Nounours sont les meilleurs amis du monde depuis qu'ils sont tout petits. Et l'amitié, ça s'achète pas. Ah, c'est mieux maintenant. Pas vrai, mon pote? On fait un pique-nique en famille. On partage? Ouais, bien sûr. Oust, je déteste les insectes. Et les gens. Hey, et si je faisais une petite blague de rien du tout? Eps, papa, regarde ce que j'ai. Je crois pas que ça va plaire à Laurie. Ça suffit. Je dois manger quelque chose pour oublier tout ce stress. Ah! Ça fait longtemps que j'ai pas autant rigolé. C'est sûrement ma meilleure blague. Tu t'en prends à la mauvaise personne! Allô? C'est une urgence! Déchets toxiques! Tout le monde doit dégager le périmètre! Sérieusement? Et voilà! Maintenant, il n'y aura plus d'insectes ici. Désinfection terminée! Hey, et notre pique-nique alors? Miss, porte un masque pour ta sécurité. Vite! Sortez de cette zone dangereuse! Je suis un génie! Tu sais quoi? Toi aussi, tu peux être super toxique parfois. Prends ça! Donnez-moi quelque chose pour manger, s'il vous plaît! J'ai super faim, mademoiselle. Oh, mon pauvre! J'ai une idée. Monsieur, viens avec moi. Je vais te donner à manger. Attends-moi ici. Merci beaucoup. C'est quoi ce délire maintenant? Un clochard traîne devant ma maison? Garde! Fais-le partir immédiatement! Hé, hey, toi, t'as rien à faire là! Aïe! Mon bras! J'arrive! Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais! Alors tiens, prends-en toi à quelqu'un de ta taille au moins! Il a le visage comme crème!
C'est vachement bon. Eh, hey, toi, c'est mes lunettes, tu sais. Du gâteau. Oh, mec, mais qu'est-ce que tu fais? Et je ne veux plus te revoir ici. C'est tout simplement scandaleux. Brandon, t'es viré. Alors, ma fille, t'es prête pour cette expérience culinaire? Je suis toujours prête. On va mélanger de la farine et des œufs. Et ajouter du lait. Bon travail. Maintenant, faut tout bien mélanger. C'est bon. Oh, April. Assure-toi qu'il n'y ait pas de grumeaux dans la pâte. Voyons voir. Aïe, papa. Hé, hey, mais qu'est-ce que tu fais? Désolée. Ça, c'est ma fille. Tout comme son papa. Alors, il est temps de mettre la pâte au four. Tada! Notre gâteau familial est prêt! Waouh! Yes! C'est quoi cette odeur? Pas mal! Bon, je vais prendre une petite bouchée. Ouais, je sais pas trop. Alors, c'est comment? C'est bon? Oh, c'est horrible! Ne me proposez plus jamais cette chose dégoûtante! Allô, la livraison de gâteaux? Waouh, quel service express! Servez-vous! Et enlevez ça de ma vue! Ça mérite d'aller dans la gamelle du chien. C'en est trop! Elle va voir de quel bois je me chauffe! Vous me remercierez! Ciao! April, arrête! J'espère qu'elle n'a pas changé d'avis. Hé, hey, Denis, donne-moi encore 5 minutes. Bien sûr, April. La mère riche est maintenant arrivée. On donne pas d'argent aux mendiants. Mais t'as tout faux, je suis le petit copain d'April. Regarde! Non, non, mon garçon. Ne pense même pas aller en rendez-vous habillé comme ça. La magie de l'argent, ça fait des merveilles. T'es vraiment mieux comme ça. Bonne chance, beau gosse. Waouh, je suis plutôt pas mal. Me voilà. Denis? On dirait que Denis 2.0 s'est déjà trouvé une autre copine. Mais c'est pas juste. Laisse-moi réfléchir. Voilà. Et si on jouait à autre chose? T'as peur de perdre? J'ai gagné! C'est qui la plus cool ici? J'ai quelque chose de mieux pour toi. Yes! Ah, merci! Un casque VR, c'est le rêve de tous les ados. Passe-moi le ballon! Passe-moi le ballon! Mais on dirait que la situation devient incontrôlable. Aouh! April, stop! Jeune fille, arrête ça tout de suite! Oh oh, c'est moi qui ai fait tout ça? Ouais, on aurait dit qu'un ouragan est passé par là. Quelle pagaille! Nettoie tout ça et ne discute pas. Tous mes livres sont là. C'est l'heure d'aller à l'école. Attends, April, tu vas porter ça? Bah ouais, bien sûr. Pas un mot de plus. Moi, je vais t'apprendre ce que c'est que le style. Ah, parfait. J'ai eu un A à mon test. Wow. Doucement, là. Ses camarades de classe devraient s'écarter. Et les tyrans de l'école devraient faire attention. L'ultra-tendance April débarque. Madame Stewart! C'est quoi toute cette agitation? C'est un scandale! April, c'est quoi ce look que tu as là? Et cette jupe? C'est n'importe quoi! Dans mon bureau, tout de suite! C'est tout simplement scandaleux. Tes parents ne surveillent pas ce que tu fais ou quoi? Papa? Bonjour, madame la principale. Vous nous avez appelés? Oh oui! Regardez l'uniforme de votre fille. Et ce maquillage! Va falloir prendre les choses en main, là. Il y a une mauvaise vibe dans cette pièce. Vous savez quoi? Vous pouvez tous y aller. La 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 la.
Mes fleurs adorées. C'est quoi ces mauvaises herbes? Des fleurs? Achoum! 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 Waouh! Fais-moi disparaître ce truc, tout de suite! Je suis allergique aux fleurs! Assez de pleurnicherie! Tiens, une compensation pour les dommages! Une compensation, elle dit? Bon, bah, très bien! En se réveillant, ma mère ultra riche va avoir une mauvaise surprise! Cette odeur me dit quelque chose! Oh non! Achoum! 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 Mes allergies! Attends une minute! Elles font quoi, toutes ces fleurs, ici? April, je te déteste! Mais quelle peste! Mamma mia, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ta fille est un monstre! J'en ai assez de cette pauvreté! Je peux plus supporter ça! Mon amour, t'en vas pas? Adieu, le dépotoir! Laurie, je t'en prie! Je veux pas de nouveau être pauvre! Je demande le divorce. Non, s'il te plaît, réfléchis avant. Papa, pleure pas. Regarde ce que j'ai. What? Plein d'argent. Oui, on est à nouveau riche. Pendant ce temps, une autre surprise attend la riche Laurie. Ah, je me suis enfin débarrassée d'eux. Et le plus important, c'est que j'ai toujours mon argent avec moi. Hein? C'est des insectes!